Waouh! Alors, tout d'abord, un grand merci au jet pour ça, parce que. Suite nuptiale pour le King. Bon, les premières remontées mécaniques, là, c'est parti, les vélos sont devant. Et voilà, tout est nickel. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi, parce qu'on est vendredi, et là je pars pour direction les jets. Ça va être un week-end de folie. Donc là, il faut que j'aille mettre un peu d'essence, parce que je suis un peu en dessous de la moitié du plein. On a 5h41 de route, donc 590 bornes. Il va y avoir de la route, mais bon voilà, ça va être nickel. Hâte d'arriver et ça va être bien tout ça. C'est parti, faut pas trop traîner non plus, il est déjà 14h30, petite demi-heure sur mon programme, mais let's go. Petite pause, je suis un peu au-dessus de Lyon, et enfin je suis pile poil à la moitié entre Dijon et Lyon. Donc peut-être que Dijon ça vient une petite trotte, je sais plus du tout. Mais voilà quoi, donc encore un peu de kilomètres. Petite pause avec une bonne petite pomme. Et on repart. Regardez ça, on est arrivé à l'hôtel des Marmottes. Hôtel 4 étoiles qui est juste devant les pistes. Puisque les pistes en fait, elles sont juste là derrière là. On a la fin de la roue libre qui est juste là. Et on a les remontées mécaniques là-bas. Genre à quoi, 50-60 mètres. Bam! Ah, oups, je crois qu'il faut laisser la carte. Enfin arrivé dans mon petite suite là. Donc on a une première douche italienne, oh, c'est magnifique, genre l'effet bois, enfin l'effet bois, c'est que du bois en haut. Oh, c'est vraiment la montagne ça. Là on a une énorme salle de bain, genre si je vais me taper un bain après une bonne session de ride. Et là, on a la petite suite nuptiale pour le King. God damn, c'est trop stylé. L'hiver, quand tu rentres du ski avec la cheminée, enfin c'est pas une cheminée, c'est un poêle. Oh là 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 là, le feu. Il y a un vieux truc, franchement, si vous venez en famille ici, c'est génial parce que il y a un truc, ça me rappelle mon enfance quand j'étais au ski avec mon cousin. On se réservait un étage complet d'un appart, enfin d'un logement. En fait, là-bas, vous avez trois chambres. Et après, ici, vous avez genre un peu une sorte de bar, cuisine, rien que pour vous. Vous venez à trois familles, cousins, frères, potes, etc. Et vous vous réservez un étage complet. Vous avez l'ascenseur privatif qui vient là. Et voilà, vous pouvez laisser les chambres ouvertes, peu importe. Enfin bon, les fermer parce que du coup le soir, tout le monde peut accéder à l'ascenseur. Enfin, je parle des personnes du logement. Donc voilà. Mais c'est vraiment trop stylé. Bon ça y est, on a la piste de tourisme. Je vais récupérer mon forfait. J'aide le collègue. Hein ? Non, je vais le chercher là. Hop ! Waouh! Alors tout d'abord, un grand merci au jet pour ça, parce que la présentation du délire... Oups! Bon, pour un forfait Portée du Soleil, valable 2 jours, samedi 25 et dimanche 26 juillet. Yes! Merci beaucoup, franchement, vous êtes au top. Donc, un t-shirt Fox, grand quartz! Allez, ça va venir compléter la petite collection de mon débardeur. Un parcours nocturne enchanté par-delà des montagnes. Oh, ça saute archi lourd. Énervé. Et un beau petit mag léger. Finale Coupe du Monde. Ça va envoyer ça dans le. Bon, les premières remontées mécaniques là, c'est parti, les vélos sont devant. C'est pas des lol. On voit que la piste là. Ça, c'est laquelle tu dis, la rouge, la rouge, ouais. C'est quoi son nom? Je crois que c'est la roue libre. Ok. Elle a été rechappée et tout. Elle a l'air vraiment smooth, vraiment cool. Donc, on va aller voir ça. On va d'abord se chauffer sur la petite Tomahawk. Et let's go. Ouais, c'est un gros port. Bon, c'est une petite piste d'échauffement là, passant sur la Tomahawk, on est revenu et là on va direction la noire. Nous voilà sur la fameuse Black. Attends, ça y va là. Wow.
Ok. Allez, go. Ok, faut vraiment prendre l'intérieur là. Oh. Le 30 jump, c'est long, hein. C'est long quand même. Hein. Tu sais, il faut tous un peu les repérer plus ou moins et. Non, il y en a pour un mois là. Allez, troisième essai, les gars, on va essayer de pas mourir parce que le deuxième essai, je me suis mis un peu en. Avec tout flat là. Allez Léo, c'est la bonne là. Allez Léo, lâche tout là. God damn. Ça y allait là. Après un bon petit mioum mioum, et ben on est parti. Donc je suis avec Thomas, je pense que vous vous souvenez de lui, qui a fait des photos mais divine, hein. Et donc là cette fois il a pris un vélo pour se déplacer plus rapidement, parce que le 4x4 sur les pistes ça, bah, c'est trop large quoi. Maté le bestia, le bestio là. Oula là, le 4x4 est tombé. Voilà. Et donc bah, on va passer une bonne après-midi là. Et voilà quoi. À la bouche. Bon là on est sur un petit concept. On est sur une piste rouge qui est fermée parce qu'elle est en train d'être chapée. Donc descendez pas une piste qui est fermée. Nous on a descendu à pied, on a passé les shapers et tout, on s'est excusé, bah oui forcément. Parce qu'on voulait à tout prix venir filmer ici et du coup, on va shooter la photo là-bas, enfin ici plutôt. Et alors là normalement on passe là. Et donc là, on enroule et hop. Sauf que là, on a vu un truc. Je le tire net, hein. Ici, quand on arrive de plus haut, qu'on cut les racines là, pour atterrir pile poil là, et ben en fait, en prenant le corner du jump, enfin du jump, du virage, on peut potentiellement tirer un bon gros overshoot là où est Léo. Ça fait loin, hein. Bah en fait là c'est trop loin, hein. Tu te mettrais je pense plus là, et si tu te mets là, tes pédales elles peuvent toucher les racines avec la compression. Mm-hmm. Surtout que juste là où est mon doigt, il y a un caillou un peu saillant qui ressort. Donc bon, soit tu poses à droite, soit à gauche, mais tu peux pas vraiment poser au milieu quoi. Donc on va aller essayer ça. Alors c'est dingue. Oh, 29 là-dedans. Mec, la ligne, je les plug comme un bâtard. Alors Greg, sur cette piste, petit indice chaud, j'ai. Un Mac 12 dedans avec les DH. Bon, ça marche tout aussi bien que l'enduro. C'est le 4 en 29 par contre. Oh là là.
On va prendre les virages là. Sketchy en 29. Mais tu vois, après Grégoire, il va vite reconnaître. Et c'est bonbon. Bon les gars, il est 17h passé, non, presque 18h. Vous pensez que la session est finie? Bah elle est pas finie. On enchaîne tout de suite. Bien là, Golden Hour, les vaches. On est passé sur la Warrior ce côté Sport Morzine pour shooter sur le fameux hip qui a été construit. Juste pour une photo. Vas-y, hein. Par contre, j'arrive pas à le manger le truc. C'est-à-dire comment pas, mais c'est au milieu. En milieu, tu sais, au milieu de la porte, quoi. Sympa, ouais. Stylé, hein. Et moi, je vais te rajouter un gros flair. Parce que tu vois, tu commences à avoir le flair, là. Ah ouais. Tu vois, commence à avoir le flair. Donc là, je vais rajouter un gros flair dessus.